Yo tout le monde, c'est Folonkik, on se retrouve pour du Dragon Ball Sparkling Zero. On en bouffe, on en veut et on en redemande du Sparkling Zero. Bien évidemment les amis, vous le savez très bien, je suis hypé aujourd'hui du gameplay sur la fameuse arène du Tenkaichi Budokai. Forcément, on est dans Budokai Tenkaichi Series. Je me devais de choisir un gameplay avec cette fameuse arène. Voilà, on est dans Tenkaichi 4 ou pas les gars? Bon, Sparkling Zero, non japonais, mais chez nous c'est du Tenkaichi 4, on va pas se mentir. Allez, on est parti parce qu'il y a vraiment des choses très très intéressantes. Regardez déjà le Goku face à Broly, Ikari, Tenma, la chevelure et tout. Comme d'hab, le Goku, alors attendez, avec le son, ça sera peut-être mieux. Hop, on va remettre avec le son, les gars, hein, parce que sinon, voilà. Oh là là. Il est magnifique. Broly, tu sens qu'il est là pour démonter. Il a déjà pété l'arène. Tu vois, il a déjà fait péter des morceaux de l'arène, Tenma. Il a fait des fissures. Regardez, avec les gens. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Stylé de ouf. Sa vie, tu vois. Et alors, on a vu des gameplays où tu peux envoyer un Kamehameha vers les gens se barrent, ça explose et tout. Ensuite, tout est vidé parce que les gens ont pris peur. C'est la folie. Ça aussi, c'est la folie. Regardez, l'arène. Voilà, hop, il a ramené Piccolo. Et là, Piccolo, c'est pareil, masterclass. Non, mais... Oh, c'est magnifique. Ce qu'on est en train de voir, les gars, sous nos yeux, c'est de la dinguerie. Oh, et... Bah, la patate qui lui a mis Broly. Pa, ça fait mal. Voilà, il l'a pris à revers dans le dos. Le ki. Broly qui tège. Piccolo, il est stylé, hein. Hop. Il demande Vegeta, maintenant. Voilà. Équipe de 3. Équipe de 3 persos, tu vois. Il a switché. Donc, in-game, tu switch de perso en perso. La transfo de Broly en Super Saiyan. Bam. J'ai bien aimé la petite TP de Vegeta qui expulse pour ensuite, à nouveau, recharger du ki. Parce que dans Tenkaichi 3, c'était ça aussi, le but. C'était de recharger son ki, d'avoir voilà assez de ki pour ensuite enchaîner son adversaire. Et franchement, oh là 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 là. Les gars, on va le saigner, le mode entraînement. Mode entraînement dans la salle de l'esprit du temps. On va les apprendre des combos. Alors, c'est moins technique quand même que Fighters. Il y a de la technicité, des fois, si vraiment tu veux être très très bon sur le jeu, mais pas aussi dur que Fighters. Fighters, c'était vraiment technique de ouf. Voilà, hop, KO. Et là, maintenant, c'est Majin Buu. Il n'y a plus Broly, c'est Majin Buu qui a fait son apparition maintenant. Oh là là. Bah, j'aime beaucoup le coup qu'il lui a mis avec un petit effet de ralenti en mode « Tiens, t'as vu, je t'ai soigné. » Là, pareil, j'aime beaucoup. Il se crache au sol, il revient tout de suite, tu vois. Pas le temps. Goku maintenant. Bim. La météo qui a changé également avec les auras, tout ça. L'attaque de Majin Buu. Oh là là. Pa. Et là, bah, il l'éclate. Oh là. Kaioken. Petite bémol, je trouve pas assez musclé, Kaioken. J'espère que ça sera peut-être corrigé, je sais pas, on verra bien. Mais par contre, j'aime beaucoup les effets, j'aime beaucoup la lumière, j'aime beaucoup les ombrages et tout. C'est vraiment la masterclass quand même. Faut juste un peu plus de muscles. Alors franchement les gars, c'est incroyable. Franchement c'est incroyable. On va mettre des pauses là. Regardez bien. La pause là de ce Goku. La modélisation, tout ça. Moi je trouve ça au top. Hein. Moi je trouve ça au top. Ça reprend un peu les couleurs manga, etc. Au niveau de sa tenue. Moi je trouve ça au top. Là, je suis désolé, mais on est sur quelque chose de très quali. Regardez. Les yeux, les cheveux, pas d'effet banane. Les cheveux, là, l'effet banane, il est gommé. Il n'y a pas d'effet de banane, là. Là, non, là, les cheveux sont très bien respectés de ce qu'on connaît dans Dragon Ball. Les pliures, tout ça, nickel. Ombrage, lumière, contraste, etc., nickel. Moi, je dis oui, là, ça, c'est validé. Hein. Ça, c'est validé, les gars. C'est validé. Donc, voilà. Également, du coup, le Broly. Le Broly, c'est pareil.
Oh là là, voilà. Là, tu vois que le Broly, il est là pour en découdre. Il est là pour te péter la tronche. Quand tu vois ça, tu te dis, ah, lui, il veut pas faire semblant. Regardez les yeux, les pupilles, tu vois, Ozaru, tout ça, avec. Voilà, non, franchement. Regarde, il fait péter directement un morceau de l'arène du Tenkaichi Budokai juste en consommant du ki, d'entrée de jeu, dès le début de la game. Regardez. Pareil, là. La grosse main, tout ça, tu vois, avec l'effet de perspective et tout, la main comme ça. Magnifique. Magnifique. Là, tu te dis, il m'attrape avec sa main, il me broie. Clairement, les gars. Alors, c'est pour ça que, voilà, et là, c'est pareil. Oh là 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 là, regardez, je mets, voilà. Une image magnifique. Voilà. Alors, certes, il y a des petites imperfections en termes de. Par exemple, là, vous voyez, je peux voir un petit peu ici. Les cheveux avec l'armure, c'est un petit peu mangé, vous voyez, avec ma souris, hein, voilà. Tout ça, on espère que ça sera patché. Voilà. De toute façon, dites-vous bien, quand le jeu sortira Day One, d'accord? Parce que c'est vrai que là, je suis hype, je le dis dans mes vidéos, ouais, incroyable, ça, ça, ça. Je suis en train d'abord de souligner toutes les choses positives. Et ensuite, je pense qu'on fera un live ensemble dans les prochains jours, où justement, on va souligner également les choses négatives. On fera le pour et le contre. On va pas se mentir, il y a beaucoup plus de positif que de négatif. D'accord? Je tiens à vous le dire d'entrée de jeu. Mais effectivement, il y a toujours des petites choses un peu dérangeantes. Par exemple, le SSJ God, je ne trouve pas assez maigre. Le Kaioken, je ne trouve pas assez musclé. Des petites retouches à faire au niveau des cheveux qui traversent un peu l'armure ou quoi. Et encore, quand c'est animé, enfin, quand tu ne mets pas une pause, tu ne le vois pas à l'œil nu. D'accord? Ça va tellement vite, ça bouge tellement que tu ne t'en rends pas compte. Mais on espère des petits patchs qui puissent corriger ça. Maintenant, dites-vous bien en tête, quand le jeu sortira, eh ben, tout ne sera pas beau, tout ne sera pas rose, et il va y avoir des mises à jour sur le jeu, quotidiennes, pour que derrière, ils arrivent à patcher, optimiser, etc. Donc regardez, franchement, pff, oh là là là, tu vois, on met des arrêts sur l'image. Vous voyez, l'arrêt sur l'image, le mouvement de vitesse du pied de Goku, on s'en rend pas compte, mais vous voyez toutes ces petites choses-là, là, tous ces petits ajouts, avec également cet effet qui est là, c'est ce qui permet de dynamiser le combat, de te mettre en immersion dans le combat. Quand tu mets voilà, un arrêt sur image, et encore, c'est du YouTube, hein, c'est un peu pixelisé, etc. Quand ce sera sur nos écrans, on n'est pas prêt, je pense. Ça va être la folie. Du coup, on se rend compte que c'est tous ces petits détails qui font que derrière, on a un jeu de dingue. On a un jeu de dingue. Regardez le Goku. Hop là, hop, il se redresse. Juste en se redressant. Petit détail. Les petites particules. Hop, vous voyez les petites particules autour? Ça te permet d'avoir du dynamisme. Pam, hop, il s'est redressé. Il était propulsé, boum, il se redresse, petite particule, hop, pour remontrer que ça y est, on est reparti, on est dedans. Franchement, nickel. Franchement, c'est vraiment nickel. Le déplacement, le ki des deux, hein, de Broly et de Goku, avec les brins d'herbe. Ouais, c'est les brins d'herbe que j'aime beaucoup. Quand tu recharges ton ki, tu vois, il y a vraiment des brins d'herbe très très intéressants. C'est pareil, ça te met dans l'ambiance. Là, regarde, là, tu sens que la Broly. Oh là là, t'es mal Goku. Hop là, petite téléportation. Allez, hop, on se reprend. Et c'est parti, on renchaîne. C'est ça qui est intéressant, franchement. Là, voilà. Et là, Piccolo qui arrive. Et Piccolo, c'est pareil, hein. Très, très bien fait. Hein. Piccolo, très, très bien fait. Hein. Là, on est sur un jeu de dingue, les gars. Je suis en train de me répéter, mais je suis trop hype. Je suis beaucoup trop hype. Ça faisait je ne sais combien de temps que je n'ai pas été aussi hype. Regardez le Piccolo. Regardez le Piccolo, les gars. C'est incroyable. Certes, encore des petites imperfections. On peut parler ici le bras, etc. Mais c'est rien comparé à tout ce qu'on voit à côté. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être patché. On l'espère. Et même si c'est pas Day One, ce sera par la suite. Parce que là, franchement. Oh! Oh là 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 là. Regardez la frame. Noir et blanc. Vous voyez? J'ai mis pause au bon moment. Noir et blanc. Papam! Tu t'en rends pas compte du noir et blanc à l'œil nu. Mais quand c'est en continu sans que tu mettes pause, ben en fait, ça fait tout. Ça fait tout. Souci du détail. Regardez bien. Maintenant, noir et blanc avec un peu de jaune. Et là, voilà. On retrouve ensuite les couleurs avec l'explosion.
Bah, franchement, les gars, non, non, là, on est vraiment sur un truc de fou. On est vraiment sur un truc de fou. Comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire. Max de pouces bleus en mode Gritty Daman. N'hésitez pas également à t'abonner à la chaîne si vous n'avez toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. On a vraiment hâte de la date de sortie de ce jeu. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Eh les gars, c'est Goku. Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek. Coming!